الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله ولا هو أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السور مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء. السور مدد يا رجال الله. مدد سلطان الأولياء سيدنا الشيخ شيخ أحمد ناصر الحقاني. السور مدد يا كتب التصرف. مدد الحق يا صاحب الإمداد شيخ حامد هشام كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر بكم. Nous mettons cette intention de l'obéissance à Allah, de l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le verset nous le demande, de l'obéissance à Ulul Amr, tous ceux qui sont en autorité. Et l'autorité spirituelle, l'autorité terrestre, les autorités visibles, les autorités invisibles, les autorités externes et les autorités internes. Car à l'intérieur de l'humain, il y a un conflit entre plusieurs pôles. Il y a le Ruh qui devrait être le Seigneur, mais qui est challengé par le nafs. Et Shaitan qui joue entre les deux. Et nous mettons également l'intention, comme disait, nous rappelait Cheikh Abdul Haq qui nous a quittés, bien rentré chez lui. L'honneur de l'élève. Pour son temps, pour sa disponibilité, pour son effort. Nous mettons l'intention de suivre les 500 bonnes manières et actions et de nous abstenir des 800 mauvaises. Celles que nous savons, celles que nous connaissons, la colère, l'envie, la jalousie, l'avarice, la paresse, l'anxiété morbide, et ainsi de suite, et tout le reste que nous ne connaissons pas, qui sont les sous-couches du caractère de l'humain. À la veille d'un temps précieux, Shahr Rajab, le mois de Rajab, qui nous arrive dans peut-être 2 jours, peut-être 3 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Rajab Shahrullah. C'est un rappel que l'on fait à chaque année. Et même si on rappelait chaque jour sa valeur, ce ne serait pas assez. Parce que l'insan, il est celui qui oublie constamment. Tellement de choses nous préoccupent, autre que Allah et son plaisir. Alors, c'est facile d'oublier. C'est un mois sur lequel les gens de la guidance, les gens de la spiritualité, les gens de la quête d'Allah ont mis un accent particulier. Ranchir Nazim Kaddas al-Ursir. Toujours, il nous rappelait sa valeur.
car c'est sur ce mois que la grande séclusion, la loi, la séclusion fondamentale est ordonnée pour les disciples. Et comme Oran Sheikh Hicham nous le rappelle, point d'accomplissement sans séclusion. Ça fait partie du chemin. Tous les prophètes l'ont vécu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces séclusions sont fameuses. Sahaba al-Kiram, radiallahu anhum arda, ont pratiqué la séclusion. Mashaykhin al-Kiram, nos maîtres et Aulia, les gens de la guidance, les gens de la réalité, l'ont eu comme une partie importante de leur exercice spirituel. Et, toujours, le temps favorable pour la fameuse séclusion de 40 jours sur le début de Rajab. Et le serviteur sort un peu avant la moitié de Charban, après, qui est la nouvelle année céleste. Mais la séclusion, elle est ordonnée. On ne peut pas s'auto-introduire dans une séclusion, s'auto-proclamer en séclusion. Sinon, qu'est-ce qu'ils disent? Comme tu es rentré, tu ressortiras. Et peut-être pire. Ce ne sont pas des règles qui sont sur ce que l'humain pense. L'effort est récompensé. L'intention a sa valeur, mais l'accomplissement et l'élévation dans la réalité, c'est quoi? C'est une invitation d'Allah pour son serviteur, parce qu'il possède un état particulier, il a été illuminé de façon particulière. Ainsi, on a vu parmi les plus accomplis des gens dont la pratique était relativement restreinte. Et on a vu parmi les plus grands pratiquants, ô combien de dureté ou d'égarement. En fait, ça va, ça là. Quand on lui a apporté les gens qui jeûnaient continuellement, il rappelait qu'il est meilleur qu'eux. Quand on lui a apporté les gens qui priaient continuellement, qui avait les genoux noircis et durcis par la prière, il rappelait qu'il y a un temps pour la prière et un temps pour autre chose, et que cela est mieux. Et donc, l'accomplissement spirituel passe par cette fameuse séclusion pour laquelle nous mettons l'intention. Ce que nous avons. Sachant que nous ne sommes pas éligibles à être appelés par un cher, parce que nous ne pouvons pas nous mentir à nous-mêmes sur nos états intérieurs. On peut avoir beaucoup de prétentions, on peut avoir beaucoup d'imagination ou beaucoup d'illusions sur nous-mêmes. Mais en finalité, nous savons où est-ce que nous sommes. Qu'Allah nous protège de l'ostentation, de la prétention et de tout son apanage. Qu'il nous, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, qu'Allah nous
permettent de nous arrêter à notre limite, de la reconnaître, de nous arrêter avant. Important. Sur tous les chemins, l'ego demande. Sur les chemins d'accomplissement spirituel, l'ego aussi, il veut être numéro un. Roborias. L'amour du leadership, l'amour de la chaise. La dernière chose qu'on enlève aux disciples. Parce que, dans la Nacher, il disait, on a besoin de cette mauvaise manière pour le driver un peu. Il est le désir d'avancer encore. L'amour de la chaise, l'ego, il a le désir d'être, quand tu lui parles de spiritualité, d'accomplissement. C'est tellement caricatural. Parce que l'accomplissement véritable, c'est la mort du nafs. C'est la mort de l'ego. Alors, ce moi, tel un vent particulier, une faveur d'Allah, descend pour la préparation, comme disait le savant. Il y a un savant de l'Inde qui avait rappelé que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Rajab Shahrullah, Shahban Shahri, wa Ramadan Shahri Ummati. Rajab est le mois d'Allah. Shahban le mien. Et Ramadan le mois de la nation. Et la graine est semée pendant Rajab. Durant le mois de Shahban, on l'arrose. Et durant Ramadan, on récolte ses bienfaits. Et Maulana Cheikh nous disait toujours, Rajab, Jaïb. C'est un mois de... De choses, il y a des événements extraordinaires. Extraordinaire dans le sens, pas simplement merveilleux ou beau. Extraordinaire aussi dans grandiose et parfois avec une haïba, avec une majesté. Et Maulana Shehnaz, il le disait toujours, faites attention à ces événements qui vont se déployer dans ce mois et vont littéralement changer le cours des choses. Qu'Allah nous permette de témoigner de ces événements qui vont changer à tout jamais le cours de l'humanité. L'arrivée de Sayyidina Mahdi alayhi salam. Malheureusement, qui doit être précédé par beaucoup de difficultés, qui sera également suivi par beaucoup de difficultés, mais qui va arrêter au moins la perte de l'humanité, son mal, sa souffrance, son oppression, sa tyrannie. Car l'humain aujourd'hui, dans un état difficile. Alors, Rajab, toujours, Maulana Cheikh, il nous a renseigné à se préparer à l'attendre. Car c'est le mois pour lequel il faut se retrousser les manches de façon importante. C'est le mois d'Allah, c'est un mois caché, dont les bienfaits sont, on l'appelle le mois des chercheurs, de ceux qui sont en quête du visage de leur Seigneur. Et
Voilà, Nacher nous donnait toujours dans ce mois une grosse discipline sur les pratiques, une grosse discipline sur les habitudes. Un jeûne surérogatoire, bien entendu, pour celui qui peut, parce que sur le premier jour de Rajab, un bienfait exceptionnel. Sur son premier vendredi, la nuit des désirs, on dit que c'est la nuit où le roh, l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est descendue sur cette terre, dans le ventre honoré de notre mère. Amina. Qu'Allah azawajal honore son secret. Amen. Sanctifie son nom. Amen. Illumine sa station. Quand on pense qu'il y a des savants qui ont osé dire d'elle qu'elle n'était pas musulmane et donc qu'elle n'a pas de destinée dans la lumière. Tawba astaghfirullah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. La femme la plus exceptionnelle de la création. Le ventre le plus parfait de la création. Comment Allah Azza wa Jalla l'a honoré, l'a illuminé, l'a parfait. Pour celui qui a été louangé, créé de la louange, magnifié telle une louange. Et son nom rappelle qu'il est le louangé, l'élu, le choisi, la noblesse manifestée, la fierté de la création, la lumière d'Allah, la manifestation de la miséricorde, le bienfait certifié, l'intercession de toutes les créatures, et notre salut à tous. Hadrat Rasoul Abdallah Salatou et un mois, Mashallah, Shahr Rajab. Sur sa fin et l'invitation. Isra wal Mi'raj. Sur son 27e. C'est ce mois que Allah Azawajal a choisi pour inviter son bien-aimé et sceller son 27e jour de cet événement. Allahu Akbar. De cet événement qui dépasse toutes les compréhensions. Isra wal Mi'raj. Shahr Rajab. Il faut l'attendre avec préparation. Il faut l'attendre avec discipline, avec détermination. Il faut l'attendre avec une espérance que nous soit accordé le vent des faveurs d'Allah pour l'accomplissement. Que nous puissions alors bénéficier de sa lumière, de son aura, de ses faveurs. Voilà, Cheikh Hicham nous rappelait que sur ce mois, il y a des Aulia, il y a des gens qui rentrent dans la catégorie de Aulia. Juste pour ce mois. Juste parce qu'ils lui ont donné une attention, Allah Azza wa Jal les étampe de cette certification. Aulia de Rajab. Même si la certification est retirée par la suite pour leur manifestation terrestre. Mais nous ne savons que ce que Allah donne, le Karim, il ne le retire pas. Le généreux. Et je me souviens, on a des awrads qui sont beaucoup plus longues. Et Mawlana Cheikh nous enseignait pendant Shahr Rajab de se lever 2 heures avant le Fajr. Quand on est pendant Ramadan, c'est pas difficile parce qu'on sait qu'on doit manger et que si on se lève pas, on passe à côté. On a une drive. La chose veut manger.
Peut-être quelques jours on est fatigué, on passe tout droit, mais à part ça, la vigilance de l'ego qui sait que s'il ne se lève pas, il va passer la journée sans boire, mais non, on se lève. Mais pour, et dans Ramadan, Shaitan est enchaîné. Donc, la berceuse est éteinte. Vous savez, Shaitan, il a une berceuse qui fait trois nœuds sur le croyant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que quand le serviteur se lève, il arrive à se défaire de son lit, à se lever, un nœud est défait. Quand il fait ses ablutions, le deuxième nœud est défait. Mais là encore, il est à risque. Et une fois qu'il a rempli sa première unité de prière, alors là, le troisième nœud, alhamdoulilah, est défait. Mais ça nous arrive parfois même de continuer à dormir sur le tapis. Je pense que j'ai dit ça. Surtout si on veut remplir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna que Mawlana Cheikh nous enseigne. On disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours avant de rentrer dans le fard du Fajr, dans la salat sok, il se couchait sur le côté droit et il récitait un verset et il disait Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, pour se rappeler qu'un jour il sera dans cette position dans la tombe. C'était un moment où il s'arrêtait et il méditait sur la mort avant de rentrer dans la prière. Oh papa. Donc Mawlana Cheikh, et c'est quand on a questionné le mufti d'Égypte, comment il s'appelle, le recteur, Ali Boma. Il y a quelques académiciens à la pensée orthodoxe, disons. S'ils sont allés voir cher Ali Boma pour s'asseoir, on ne va pas les traiter de carrés. Parce que les carrés n'iraient jamais le voir pour s'asseoir et le questionner. Il était en visite et il y a des gens qui l'ont questionné sur Cheikh Nazim. Sur le fait que, bon, il y a des choses qu'on voit autour de lui, qui ne sont pas toujours orthodoxes. On l'a vu dans le Hadra, on l'a vu dans ci, dans ça, on dit ça depuis. Il a dit d'abord, vous vous arrêtez. Ne sortez pas des choses hors contexte. Surtout concernant ces gens, ce sont des gens de la réalité. Il faut contextualiser. Vous ne pouvez pas simplement aller prendre un élément et l'accuser dessus. Il faut remettre la chose dans son contexte. Et n'allez pas chercher un élément qui vous a dérangé sans regarder l'intégralité de la vie, de l'œuvre de la personne. Et après, il disait, je l'ai connu, j'ai voyagé avec lui. J'ai prié avec lui. Et j'ai rencontré un homme si proche de la sunna qu'il faisait des choses que personne d'autre ne faisait. Et c'est la seule personne que j'ai vue qui imitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en se couchant sur le côté droit avant de faire sa prière de Fajr. Alors des fois, quand on arrive pour imiter la sunna et qu'on n'a pas bien défait le nœud, là des fois... Des fois, on peut passer tout droit. Qu'Allah nous pardonne pour tous nos manquements. Alors, durant ce mois, Mawlana Cheikh nous enseignait le réveil 2 heures avant le Fajr. Parce qu'il y a, donc, normalement, après les ablutions, on se prépare avec la prière des ablutions et on va lire une doa, une fameuse doa, une très longue doa, vraiment pour nous rappeler que l'ego nous habille, que l'ego nous monte, que l'ego nous domine. Et une fois que cette doa est terminée, on a
un zikr qui est très long. Hein, dans sa forme traditionnelle, il a cinq, on fait 5000 Allah silencieux, 5000 Allah avec la langue, on a 1000 salawat, on a 1000 istighfar, 1000 alhamdulillah, 500 yasamad, et ensuite on rentre sur qiyamul layl, donc les prières de nuit que l'on accomplit, salatu shukur, salatu najat, salatu tasbih. Et ce n'est qu'après tout cela qu'on arrive sur le temps du Fajr. Et là, dans une partie, hein, quand on s'assoit pour commencer le dhikr, alors là, la cheikh nous enseignait à sortir le drap blanc. On allume une bougie, et on se couvre complètement avec le drap blanc. Et on est là. Tafakkur. Dans le dhikr, il faut connecter le cœur avec la présence d'Allah. Et ensuite vient la wazifa du Fajr. Et cette wazifa, si on va vite, elle dure 10-15 minutes, mais si on l'étire un peu plus, elle est un peu plus longue. Parce que toujours cette wazifa, on la récite entre le. Il y a une partie avant le fard, et après. On finit avec Sourati Yassine aussi. Et Rana Sheikh Nazim, en 2007, nous a ouvert une pratique particulière qu'il nous a donnée. Et je me souviens qu'il avait donné, la première fois que j'ai entendu cette pratique-là, on était sur un bateau à Chicago, hein, sur le lac Michigan. On était sortis visiter la ville de Chicago et ils avaient organisé un cruise avec un bateau. On était les gros bateaux, on était partis faire une sortie et revenir. Il avait dit à l'époque, grand cheikh nous ordonne, pour tous mes mourides, de réciter tous les jours Bismillahirrahmanirrahim 100 fois. Et ça, c'était en 96. 10 ans plus tard, à la veille de Shahr Rajab, du mois de Rajab, il a fait une sohba où il a adressé en disant, le mois arrive et je vais vous donner un trésor pour celui qui peut le tenir. Alors, s'il le garde 40 jours, après 40 jours, Allah Azawajal fera ouvrir les cieux et descendra quelque chose pour le cœur du serviteur. Une connexion particulière. Et il disait aux mourides, essayez, quand vous avez fini votre prière de Fajr et toutes vos lectures, avant le temps de Ishraq, du lever du soleil, essayez de réciter 1000 fois Bismillahirrahmanirrahim. Si vous arrivez à le garder 40 jours d'affilée, sans intervention, alors sur votre cœur sera descendue cette chose particulière. C'est un gros défi. Hein? Déjà que des fois, si on arrive à se lever pour la période de Fajr, la prière dure 5 minutes et après tout de suite on va dormir, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait. Alors la sunna de la prière, Mawlana Cheikh ne dormait jamais avant le Ishraq. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam attendait toujours le lever du soleil et un peu après. Il faisait sa prière de Shuruq et après il allait se coucher. Bien sûr, pour nous, ce sont des vœux pieux. Hein, parce que
Nous sommes des gens de la fin des temps, à la foi et à la pratique naïf, hein, très faible. Mais nous mettons l'intention d'essayer. Amen. Qu'Allah nous renforce le cœur, qu'Allah nous renforce dans la discipline, qu'il nous renforce dans la capacité, qu'il nous permette de goûter aux effluves qui émanent de sa présence, qui habite ce mois particulier, qui a été tant attentionné par nos mâchères, particulièrement. Nous souhaitons pour tous l'invitation pour la Khabar. Nous le désirons pour nous et pour les autres. Nous aimerions que tous soient appelés pour ce mois. Mais nous savons que nous n'avons pas l'éligibilité. Mais il faut mettre l'intention. Alors, cher Nazim nous disait, ne sous-estimez jamais la puissance de votre intention et ayez de bonnes intentions. Mais ayez des intentions, Azim, des intentions élevées, sans prétention. Reconnaissez, il faut reconnaître, il faut qu'on reconnaisse notre limite et notre faiblesse. Mais ça ne nous empêche pas de demander. Ya Rabbi, accorde-nous, nous aimerions, parce que nous savons que c'est ce qui te plaît. Alors, on met l'intention. Nouaitu arba'in, nouaitu ihtikaf, nouaitu khalwa, nouaitu suluk, nouaitu siyam, nouaitu riyada, nouaitu uzla. Imaginez la joie. Cette myriade d'intentions qui inclut Arba'in, les 40 jours, et qui inclut la Khalwa. Mm-hmm. Que Mawlana Cheikh nous enseigne toujours pour chaque début d'une action que l'on va faire, que ce soit la prière, ou quand on va faire la lecture du Coran, ou quand on va faire le Dhikr, quelque action, ou même la méditation, tafakkur, on met cette myriade d'intentions parce que chacune de ces intentions comporte quelque chose. Shahr Rajab. Shahr Rajab. Et c'est un mois sur lequel on essayait de valider nos intentions. On a mangé beaucoup de soupe de lentilles durant ce mois. Hein, parce que la soupe de lentilles, c'est la nourriture de la Khalwa. Même si on n'était pas appelé pour essayer d'imiter ce qui était dedans, on mangeait la soupe de lentilles, les olives, le pain. Et on essayait de diminuer les plaisirs ou les loisirs, entertainment. Hein? Entertainment, on en a beaucoup. Et Mawlana Cheikh nous rappelait aussi de mettre à Essien la deuxième partie de la journée qui est précieuse, Badal Asr, après la prière du Asr. Il disait, où que vous soyez, même si vous êtes encore sur l'heure du travail, essayez de vous retirer et de trouver un moment seul, de trouver un moment de méditation, de trouver un moment de Ozla, un moment où vous avez fini votre prière, vous avez vos ablutions, soit vous faites un peu de dhikr, soit vous faites un peu de lecture Coran, ou un peu de lecture d'Alal Khairat, ou quel que ce soit. Mais se retirer, et Mawlana Cheikh, il disait, celui qui arrive à faire un petit temps aussi minime de séclusion dans ce temps précieux, Allah Azza wa Jal l'étendra et couvre comme s'il a couvert la journée. C'est un partage
et un rappel pour moi. Parce que c'est un mois qui arrive et qui va préparer l'arrivée de Ramadan. Qui est une joie pour tout le monde, bien entendu, sauf pour l'ego. Quand il entend le nom, déjà, il commence à... Il dit, il me semble que c'était hier. Qu'Allah nous donne la force de prendre ces moments précieux, de les honorer, de les recevoir, de les valoriser. Et qu'ils nous permettent notre cheminement. Qu'ils nous permettent le bienfait. C'est un temps précieux. Notre vie est une vie précieuse. La journée où Cheikh Abdul Haq est arrivé ici, il a dit une chose qui m'a presque frappé comme l'éclair. Une parole de Cheikh Nazi. Que nous connaissons. Hein, parce que vous savez, quand le serviteur va quitter ce monde, il va demander de revenir pour une année, pour un mois, pour une semaine, pour une journée, pour une heure, pour un instant, quand il va se rendre compte de ce qu'il a manqué. Voilà, Cheikh Nazi m'a dit, il faut vivre cette vie car elle a un tel potentiel qu'une journée dans ce monde vaut plus que 70 000 années dans la tombe. Alors, ne perdons pas nos journées dans le malayarné, dans les choses inutiles qui ne nous regardent pas. Ne perdons pas nos journées dans la complainte, dans la lamentation, dans l'insatisfaction. Car c'est notre état continu. On est insatisfait de tout. On a un mal de vivre. Ne perdons pas ces précieuses journées. Amen. Tellement de distractions. Amen. Et quand vient un mois comme cela, c'est un rappel là-dessus. Même si nous savons que nous sommes faibles, que nous avons pas de force, allons chercher quelques moments précieux dans ces journées-là, sur lesquels on essaye de se discipliner. Si on peut faire un effort pour le Fajr, c'est bien. Même si on n'arrive pas à tenir 2h30, 3h, même 5 minutes. Même celui qui se lève et qui n'est pas allé faire ses ablutions avec l'intention de se lever pour son Seigneur, c'est compté. Essayons de tenir le bienfait du temps de Asr, comme nous le recommande Maulana Cheikh, après le Asr, en attendant le Maghrib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé également le bienfait de l'entre-deux, entre le Maghrib et le Isha. Comme chez nous, souvent chez les Tijani, ils ont le wird tous les soirs. Tous les soirs, ils prient le Maghrib ensemble. Mais chez nous, entre Maghrib et Isha, c'est 30 minutes parfois, 35 minutes, pas plus. Ils finissent de prier le Maghrib, ils étendent un drap blanc, ils se mettent autour parce qu'ils disent quand tu fais la awrad ou le wird, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa présence se manifeste. Et juste pour nous honorer cela, au milieu de leur assemblée, ils mettent un drap blanc. Ils font leur awrad rapidement, ils prient le Isha ensemble, ils rentrent chez eux. Qu'Allah nous honore de ce mois, de ce temps précieux. Accorde longue vie. Bonne santé, de ma chère. Koulou le Cheikh Inal Kiram, il a halati Nabi Fatih.